Notre camion on a quoi difficulté là, le commissariat on a parlé là, dans Jacques Mel. Donc Pep Jacques Mel là, mauvais coucon, vraiment deux blousailles pété là dans Jacques Mel, dans centre de Paris pour faire une action. Donc chauffeur à lui-même. On détaille ou bien là encore. Oui, chauffeur à le commissariat, il a manqué. Monsieur Passé, quoi pourquoi t'es on détaille en plus. Tout à l'heure, chauffeur a manqué, oui. Oui, tout à l'heure, vous avez le commissariat. Delcoa, t'es rentré ville là. Ça veut dire que c'est ça que fait parler de section communale là. Oui. Hein? Oui. Koulia, commissariat parle Kembe. Koulia, lui pas dans rentré encore. Lui dans commissariat. Non non non. Lui toujours rentré. Il est rentré dans la terre. Peuple a pas d'accord. Mais moi qui le chez, il dit que et c'est que Delcoa que ces génératrices là aller dans Sénat de la République là. C'est comment génératrice fait un gros camion pour la terre. OK, génératrice ça, chauffeur, pour mettre la question. Je vais passer mauvais, vraiment qui passer mauvais moment. C'est le commissaire a oublié courir à monsieur là. Non, moi on a parlé à Kem, j'ai sauté sérieusement. Il va rendre qui ça peuple à Favel. Bon, monsieur Tegamon. OK, monsieur Tegamon. OK. Sous question Kaplume là. Écoutez. Pour ils sont green matin pour un seul monde. Il y a toute velléité ça pour capable gagner des charges. Il faut nous clair sous question. Et si il y a des charges qui sont à Kaplume, il faut qu'il fasse partie dans l'eau. Parce qu'il y a trop de monde en souffrance. Ouais, ouais. Il y a trop de monde en souffrance pour question des charges. Négocié dans des négociations indexées dans le Pétro-Caribéen. Il faut que tu aies dans des charges. Négociations indexées. Depuis le Pétro-Caribéen, ok, dossier dans le Pétro-Caribéen. On va aller chercher. Pas gagner 10 ans, non? Non, pas ok. Oh. Vous avez dit que c'est non, bah, ouais, bon, charges, comment ça? Ah, mais, Kaplume, pas de Caribé? Eh bien, ça me dit oui. Eh bien, ça passe. Il va aller chercher. Oh. Oh. Eh bien, ça, c'est tout. Depuis que c'est non. Ah, bien. Dans le rapport, Petro Caribé, ou pas de charges. Eh bien, marché, vous avez la balle de charge. Eh bien, ça me dit. Eh bien, l'obé, il fait. Écrit à papier, écrit. Non, ça va, il n'est pas Petro Caribé ou de charge. Faut tout gagner. Normal. Faut tout gagner net. Eh bien, tout finit par ça. Monsieur, nous connaissons qui institution a questionné là. Nous avons personnalité là. Alors, nous finissons là. Non, non, mais si n'a pas les. Est-ce que nous sommes sûrs que le rapport a vraiment sorti dans la Cour supérieure des comptes? Non, nous pas sûrs, sinon. Nous pas sûrs. Nous disons qu'il y a possibilité pour le rapport sortir dans la Cour supérieure des comptes, mais nous pouvons dire le sorti. Il y a possibilité pour le sortir dans la Cour supérieure des comptes pour le traverser à l'emballement, mais nous pouvons dire le sorti. Même quoi là, déjà. Si nous t'a accepté l'aller ou bien nous t'a oué l'aller, son gros accusation sur cours supérieur des comptes, il n'a fait là. Pour qui ça? Vous avez menti la toute? Non, parce que c'est cours supérieur des comptes qui baille, qui fait tout le travail technique et puis qui pouvait dans la chambre Sénat. Oui, dans le Sénat. Oui, dans le Sénat. Donc, comment dans la chambre Sénat. Bon, monsieur, nous avons gagné. Pour lui venir au Sénat, et ça, mais ça me voulait comprendre. Mais ça me voulait. Mais ça pour nous comprendre là. Ou ça pour nous comprendre là. Techniquement, Koussouye des comptes qui a étudié le dossier. Oui, mais c'est lui qui peut étudier le dossier. C'est Koussouye des comptes. Mais ça, c'est le Sénat qui baille des charges. Il fait travailler pour les ministres. Les ministres, les premiers ministres. Les premiers ministres. Oui. Maintenant, c'est le Sénat qui pour bailler des charges là. Oui, mais le consommateur de compte baille un rapport d'approbation. Ok? Un rapport d'approbation. Le consommateur de compte. Responsabilité. Fait... des charges là, c'est sous Sénat. Sénat. Sénat font étude en profondeur sur le rapport que le consommateur de compte remet les sous. Donc, nous faut parler pour nous bien comprendre oui, ça. Oui. Ça t'avait dit, Koussouye des comptes pas une responsabilité s'il fait travail technique là pour. Oui, pour, et c'est ça que fait Lambert, c'est ça que Dieu Lambert, comme intelligent, ouais. Puisque dossier Petro-Caribéen, lié à ou avec question contrat, exécution contrat, mm-hmm. Maintenant c'est Koussouye des comptes lui-même qui vous baille approbation pour les contrats, approuvés, il y a des contrats gré à gré. Et quel que soit contre agré agré, donc Koussouye des comptes lui-même, il y a un mot pâle, un signature pour un comptable agréé au niveau de la Cour de Koussouye des comptes. Bye! Un autre bagaille. Oui. D'après vous-même, selon information gagnée, oui. Sous gestion Premier ministre Kaplume, oui. Est-ce que vous n'avez pas attendu que la positive pour lui ou bien négatif?
ni la positif ni pas positif parce que moi pas dans les rouages m'bat dans cabinet capé c'est mon si pas de Petro non comme si non Petro Caribé attendez Petro Caribé m'pas ka di rien comme si sous Petro Caribé comme si sous qui ça nèg fait avec l'argent Petro Caribé seulement il y a des rapports sortis OK dans deux rapports sortis ou pas non capé m'la donne OK mais ça veut dire que non capé pendant deux rapports eh ben il y a l'autre nous parle dans le rapport et ça veut dire que deux non par exemple ministère public Jacques Rousseau il parle dans le rapport dans deux rapports eh ben bon pour Jacques non Jacques rapport non Jacques pas sous deux rapports non Jacques t'es qu'à sortir comme premier ministre là tout debout non pas dans ça mais vous avez des charges ça veut dire que selon rapport Sénat selon rapport sous commission éthique et anticorruption dans le Sénat, non Evans Paul Caplume pas figuré dans le rapport là comme un indexé pour répondre à une question de la justice. Mais ça veut dire que le bon boulot là. Gagne non Laurent Lamotte, ancien premier ministre, gagne non Jean-Max Belrive, ancien premier ministre, gagne non l'autre ministre financier qui sous gouvernement Matelian, Lamotte là, qui en un rapport, les deux rapports, le rapport de Beauplan et le rapport de Youri La Tortue. Possibilité pour Sénat, et ça me dit, dans la séance, il y a le chita sur le rapport Caplume. Non, possibilité pour. Non, alors, il y a un problème, et un grand problème, comme dit ça, et un grand problème d'essence là. Comme si, et un grand problème. Mais d'essence ou pas, d'essence. Un problème là, un gros problème par rapport avec, comme si, un problème moral politique. Que on ensemble de ministres qui passent 15 ans pour venir et on décharge, et puis un bon matin, Capé, qui est mon ami, on est prêté pour le décharge. Ça pose problème. D'ailleurs, c'est double crise là. Non, bon, disons que. Même si Capé est premier ministre, il peut déranger ma rien. Disons que. Non, disons si que. Si l'a fait pays. Si l'a fait pays. Moi même si. Dans la place Capé. Il a mis nom de maïs à la place. Il a mis la crise à la place. Il a mis pour ces raisons. Capé, les amis. Capé, on a dit ses noms. Je t'ai mis tes noms. Bon, tu vois. Oh, allez, le coup, bah, c'est lui. Non, non, la vie, la vie. Sur le plan politique, faut courir à tête. Il y a longtemps, Capé, à tête là, oui. Non, qui longtemps. Non, il était premier ministre là, mon cher, pas fait ça. Mais tu vois, on a fait ça. Non, pas fait ça. On a fait tes noms. Représenter tes noms, Capé. Oui. Capé, on a dit tes noms. Oui, on a dit tes noms. Ils allaient nous garder l'autre facette. On nous garde l'autre facette. Maintenant, on nous garde le Sénat. On nous garde le Sénat. Des informations rapides. Alors, il faut pas dire que les cours super des comptes, il y a un pile de monde, ancien ministre, premier ministre, déjà rapport. Rapport. Ok, rapport. C'est dans le scénario bloqué. Okay, ça, c'est l'aspect administratif. Clair. Il y a un pile ancien ministre, ancien premier ministre, qui est Jean-Henri Séan. Alors, ça fait matin, on a parlé, parce qu'on a parlé, on a regardé, en fait, éventuellement, monde qui proche. Équipe Matéli avec équipe Jovenel Moïse. Et je dis, moun ka vin premier ministre là, pas un menti la donne, l'a sorti parmi moun sa yo. Mais qui ka peut-être fatal pour pays ya. Ok? Et nous te dis ça tout à l'heure dans l'entap dérapé avec analyse sur question ça. Qu'est-ce qui est fatal pour pays ya? Comme si dans moun pas. Que son moun ou bien qui sorti dans le secteur privé, ou bien son moun qui passe le bien à Matéli, à président Matéli, passe le bien à président Jovenel, ok, puis il vient premier ministre. Ou bon monde comme Nadou qui n'a aucun rapport avec la question politique, et puis qui vient là. Il y a trois noms là qui pratiquement prépayent sous table là. Jean-Hyséen, je dis, c'est. Il y a un monde qui a dit que tu es capable. Je dis, il vient premier ministre. Il y a un plus gros support que quelqu'un a, c'est le forum économique. Maintenant, face à Capé, est-ce que. Le choix de l'équipe Matéli capable d'aller sous Jean Rizé. Oui. Oui. Et, vous parlez de Michel Matéli? On dit oui. Parce que ni Capé. Et deuxièmement. Ni Capé, c'est Joseph Michel Matéli. Ok? Qui derrière? Ni Jean Rizé, c'est Joseph Michel Matéli. Jean Rizé. Il a déplacé, il a dérapé avec mon, il fait plus confiance là. Oui. Comprenez bien, madame, monsieur. Madame, monsieur, comprenez bien. Alors, nos parties analysées là, il y en a pas pour nous comprendre. C'est que l'équipe de Jovenel Moïse a fait très attention pour ce pas l'équipe de Michel Matéli qui impose le premier ministre. Et l'équipe de Joseph Michel Matéli a boumé là pour c'est eux-mêmes
qui reprend bagarre là dans main Jovenel Moïse et Bois Banou information. Et dans deux mon nous dit là. Puis devant. Et dans deux mon nous dit là yo. Yo plus proche l'équipe de Martelly. Correct que Jovenel Moïse. Que Jovenel Moïse. Correct. Le prenons le cas de Jean-Henri Séan. Les proches Michel. C'est Zami Michel. C'est Zami Michel, oui. Zami Michel. Oui. Capé, c'est même bagarre là. Correct. Maintenant, Jovenel son ami de parcours. Claire. Maintenant, Jean-Henri Séan lui-même. Les plus bien, alors les bien avec l'autre nègre politique. Olivier Barreau tombé, Olivier Barreau tombé. Oui, on est en bataille. Attendez. Et c'est un qui est plus chita avec l'autre nègre, nègre politique. Avec Séan, Larry Akafret. Ou quoi ça? Hein? Avec Séan, ensemble de monde la prend. Cap vin joindre, cap quitter la rue, cap quitter secteur démocratique là. Mais pas oublier. L'aime de quitter secteur. Non, moi d'accord, moi d'accord. L'aime de quitter secteur démocratique. Moi d'accord avec mon parti. Oui. Mais sous question ça, c'est un vin premier ministre, il va obliger ou négocier avec la balance. Claire, c'est normal. Il va obliger vider. C'est l'équipe, équipe. Non, me connaît. C'est la famille. Ouais. Mais faut contentieux qui gagne avec la balance le vider. Ouais, s'il arrive vide et contentieux avec la balance, avec oui, avec la balance, ce sera un PM parfait. Donc je dis si, qui ne doit pas facile, non. Qui ne doit pas facile. Mais il n'est pas fâché à président. Non, attendez, je ne parle de chambette. Dès que ça va faire un monde, il va faire un par la monde, négocier à monde. Qu'est-ce que ça? Non, pas mal. Maintenant, il faut regarder sa contention et tout. Même si elle est mauvaise pile. Ok? Ça regarde. Monsieur Van Kalemoun. Oui, monsieur Van Kalemoun. Oui. Ou à l'autre, monsieur Décalé, Jacques-Edouard Alexis. Mais Jacques-Edouard Alexis, Décalé, tout. Ah oui, il va aller là. Il va de douze à tout. Soufflette, tout soufflette. Oui, il va de douze à. Ok? Donc là, c'est deuxième nom. On a parlé de monde qui proche de l'équipe de Martelly. Maintenant, nous disons que si l'équipe Martelly a voulu que je dis, j'étais là, madame, mais c'est une information importante pour nous tout à l'heure. C'est qui m'a dit que c'est aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui vous conduisent bac là. Parce que y aurait quand que route que Jovenel Moïse a mené au là, qu'un dit non matin débat. Son route qui a fait perdre toute la vie politique yo. Il est obligé de reprendre responsabilité dans ce qu'a fait là, l'équipe de Martelly. Et qui madame a, monsieur qui capable fatal pour pays là. Qui capable fatal pour pays. Ou pas capable diriger avec petit clicou seulement comme désir d'ailleurs. Le pays c'est un tout ou élu avec 500 000 moun ou pas une légitimité enragée qui vous permet de ça avec tout éclatement ça gagne là. C'est ça. Ouais, assise populaire. Ouais, assise populaire. Et tout assise monsieur là c'est même Martelly. OK. Comment important que de dire dans matin débat que n'a retourner encore mettre sous table la matin. Si l'ancien président Joseph Michel Martelly, Laurent Lamotte, Sophia Martelly, Grégory Marapol, Wonelson, yo weke. Non, avec l'équipe de Martelly. Yo weke. Jovenel Moïse a coulé bateau. Eh bien, yo même. Si yo gen possibilité, puis yo jete Jovenel Moïse, a jete le. Je capable sauver tête. Je vais répéter pour nous. Madame, monsieur. On go pour le président. Non, c'est ça qui passe actuellement là. Oui, oui, oui. Si le président Joseph Martelly, Laurent Lamotte, Sophia Martelly, Kiko Saint-Rémy, Wonelson, Nelson, ils rendent compte que Jovenel Moïse a coulé le bateau et que lui-même a coulé le bateau à tout. Il a préféré jeter Jovenel Moïse pour lui-même capable de sauver tête. Madame, monsieur. Ça, c'est deux personnalités que l'équipe de Martelly a travaillé avec aujourd'hui. Elle a gardé possibilité. Mais du côté de l'équipe de Jovenel Moïse, ils ont sur la table Ignace Saint-Fleur. Ouais. L'homme de BMPAD. Dans le moment où on a parlé là, si Jovenel Moïse était attaché avec elle comme prochain premier ministre, parle. Lui-même, Ignace Saint-Fleur. Ignace Saint-Fleur, c'est l'actuel directeur général de BMPAD. Qui s'est passé? BMPAD, c'est Ignace Saint-Fleur, c'est bouclier. Et pas sans raison qu'on voit que Garibodo. Et ça fait moins dire nous que là, nous, on autorité, on député sénateur font déclaration de radio, retenons matin débat pour nous expliquer qui raison qui fait qu'elle fait déclaration. Oui, Gary, c'est bouclier. Yeah. Ouais. Là, on voit que Garibodo, après la rencontre avec le président de la République, dans le cadre encore qui t'a gagné, qui t'a gagné entre eux, les présidents des deux chambres et le président de la République, ceux qui sont premier ministre, là, lui montait sur radio, qu'est-ce qu'il a dit que. Parlementaire par la donne et que le premier ministre censé dans secteur dans société civile là pour le sortir, il compte de qui ça t'a parlé.
Parce que Garibodo, il est dans poche lui, comme membre influent de bouclier. Ouais. Ignace Saint-Fleur, qui c'est actuel directeur BMBAD, et puis qui c'est Zami Jovenel Moïse. Gon bagay que Ignace Saint-Fleur fait comme directeur général, madame, monsieur, pendant un week-end crucial que pouvoir te connaître. Le matin d'août, Ignace Saint-Fleur, l'actuel directeur général de BMBAD, il prend motocyclette dans samedi. Il marche à pied, il traverse les barricades, il traverse du feu, il débarque avec Jovenel Moïse à peine 1-5. Ce que le pari est pour annoncer. L'arrivée dans la barrière Jovenel Moïse, Jovenel Moïse est là en moi, il dit voilà donc un ami sur lequel je peux compter. Ouais, ouais. Bon, madame, monsieur, sous base, eh bien, Jovenel Moïse, dans le moment où on a parlé là, si on a si le monde n'est pas là qui, pour lui-même, qui a pris le municipal là, il est Ignace Saint-Fleur. Maintenant, c'est là nous vient sous question que Joseph Michel Martelly se positionnant, qui c'est l'autre point qui vient faire deux points qui coulent dans le cadre des enfants matin. Hein? Est-ce que l'équipe de Martelly a arrivé convaincre Jovenel Moïse, également Martin Moïse, que je dis à ces gens-mêmes qui vont mener la bataille là? Font capé là, Loco. Il y a ces fleurs, sont ces qui lui. Loco, font capé là. Sont ces membres qui lui. Oui. Bon, monsieur, monsieur, font capé là. Loco. Du coup, grand côté bataille là pour le faire, faut président fait tout effort pour le pas perdre la dedans selon approche, selon toute sorte de choses. Ça veut dire que ça pour nous comprendre nous-mêmes qui sommes auditeurs, pendant qu'il y a une bataille pour le ministre, qu'on a une bataille en deux batailles. Voilà, voilà. Mm-hmm. Donc, qui se bat entre l'équipe de Mandeli et l'équipe de Chevalier PSTK. PSTK. Faut que monsieur. Faut qui est-ce président. Qui président? Pas tomber. Président. Jovenel. Très bien, ok. Pas tomber à l'fond bataille avec. Même Clapal là. Avec un inconnu. Comprenez ça, M. Doula? Pour Zouti, Matéli et son équipe, Ralea, lui qu'a géré environnement plus bien, plus facile que l'élément président Jovenel Ralea. Bon, bon, essaye, plus clair. Oh, chita, chita, sorti là. Pral bon bataille entre moun président Jovenel Ralea et moun président Matéli Ralea. Correct. Maintenant, le secteur politique économique, secteur privé, est-ce que ça me l'a dit? Si moun Matéli a gen plus de capacité, yo konnen, yo ka di la vel pi bien, yo konnen, comment ça me l'a dit dans les affaires de, politiquement déjà? Avec si président Jovenel Ralea ou moun, que pas konnen du tout. Ou ka wè, à partir de là, moun président Matéli a bat moun président Jovenel là. Parce que tout l'autre nèg yo pral gade, si yo pa ka bay moun, si c'est sous deux moun sa yo kapé, yo wè se moun président Matéli a, yo kachi tavel. Très bien. C'est lui yo fait plus confiance. Parce que bagay la nan deux nèg yo ka bay moun. Mais attention, oui. Force relation politique nationale et internationale là, je. Mais donc, normalement. Donc, si président Matéli, comprenez bien, madame, monsieur. Si président Matéli et son équipe, ak moun yo vini, la dépend ak moun yo vini, yo gen vini ak moun yo perdu, ak moun nan. Correct. C'est à qui je vois vini? Je dis à Juventus Rale, Ronaldo, Cristiano. Yo gen tan gen l'argent déjà dans Mario. Est-ce que ça me doula, oui? Et dommage. Il dépend de qui, à qui je vois vini. Faut nous vini ak un gros joueur, oui. Madame, monsieur. Est-ce que ça me doula? Madame, monsieur, c'est dommage. À ce moment crucial de la situation, et que Yoshua Premier ministre a fait sous base de Zamitaï. L'a fait sous base de proximité familiale. Qui est-ce qui pibie avec famille? Mais c'est la meilleure là. Malheureusement, nous n'avons pas l'air. Nous n'avons pas l'air. Exprimé. Si moun sa vle dit, on garantit plus l'âge politique. Correct. Et mais c'est, clair, oui. C'est la bataille la pralée. Ou clair. C'est la bataille la pralée. Il n'y a pas nous information. Comment dit matin, émission matin de maman, dit déjà. Dit nous dans début émission, c'est pour nous entendre avec en pile intelligence. Dans le moment où on a parlé, qu'on y a là, à midi 7, ça, on a parlé là. Président Joseph Michel Martelly, ainsi que l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, la caille Jovenel Moïse, n'a pas le 25. Dans le moment où on a parlé là. Et pendant ce maintenant, avant hier soir ou bien et mardi soir. Président Matéli ici là actuellement. Oui, président Matéli là. Oui. Non, belle bataille, ça va carrément dehors. Et pendant ce maintenant, avant hier soir. J'ai dit comme je n'ai pas de bon ça. Avant hier soir. Comme M. Guintambo. Non, ils sont forts. Comme M. Guintambo. Avant hier soir, les deux familles présidentielles réunies dans le 25.
C'est pour me dire nous. Alors, le problème, c'est que dans le bail, il y a un peu de battante. 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 Mais il y a un peu de battante. Avant hier soir, la CAI, président Jovenel Moïse, les deux familles présidentielles ont été rencontrées. C'est une délégation qui est assez forte. Joseph Michel Martelly, Sophia Martelly, Laurent Lamotte, Jacques Guy Lafontaine, Grégory Mahapol, tout débarqué à la CAI Jovenel Moïse nous rencontre. Eh bien, qui s'est sorti dans le compte, c'est que le président Martelly, déterminé, il n'a pas quitté la course. Et pendant le compte là, il reproche Jovenel. Madame, monsieur, information dans le banon là, dans l'émission à Téléba. Pendant le compte avant hier soir, il reproche le président Jovenel, tout le monde compétent que je vois là où, où est-ce que je ah bon? Le président Joseph Michel Martelly, avant hier soir, nous rencontre la CAI Jovenel Moïse, reproche le président Jovenel Moïse de dire que tout le monde compétent que nous voyons Baou, où est-ce que nous avons ce que même à tout manger Albert Kembe. En tout cas, ma bonne information. Mais, là, je dis. Hein? Mais c'est en faveur président Martelly, oui. Là, il te fait le conseil. Sans faveur président Martelly. Sans faveur président Martelly. Parce que c'est président Jovenel qui est président. Il fait expérience là avec l'équipe. Avec mon lui fait confiance. Maintenant, que lui apprenne tout, l'or fait première expérience. On dérape avec mon que vous fait confiance. L'or fait échec là. Qu'on y a l'autre monde pour aider mon cher nous pas prendre ça. Ah, mais voilà. Ah, c'est quoi ça, lui? Le reproche président Jovenel Moïse soit fait caille de grâce dans le 5 ans. Le reproche ça. Ok. Maintenant, je dis, madame, monsieur, le président Jovenel Michel Martelly, notez, ça m'a dit, nous, là, matin, si le bateau coulé, l'a jeté Jovenel. La parole de caisse, président Martelly? Oui, l'a jeté. Pour capable même lui sauver tête pâle. Et je dis, libre position avec l'équipe pâle. Comment on dit là? Oh, calé. Nous t'as dit ça déjà dans le matin de bas. Nous t'as dit dans le matin de bas. Il a pris mon groupe, peuple. Nous t'as dit ça dans le matin de bas. Pas étonné pour vous. Pas étonné pour vous que c'est PHTK encore qui goumé, qui jetait Jovenel Moïse. Qui est capable de sauver donc l'avenir politique. Et bien, il n'y a pas qu'à sauver rien. Ah, dépendamment. Non. Dépendamment de non, j'ai. Non, deux amis. Dépendamment de terminer. Les deux amis, il y a un problème. Et puis, on est tué par être, c'est lui-même qui prend. Il profite de la population. La population a tout ça qu'on fait, la population a veillé. Okay. Et puis, il paye tous les deux. Il paye toute l'équipe la canne. Dépendamment de ta mine. Donc, mais ça, situation est aujourd'hui là. Maintenant, si que toi, nous, qu'un gars dit aujourd'hui, qui, soi-disant, sous table là, tout l'autre, c'est pas un monde qui a fait lobby. Ok? C'est Jean-Hissé, hein? Caplume, et puis, il n'y a Sèvres. Et toi, nous, t'as là. Aïe, l'autre monde, Gabriel, là, Gabriel, Capdou, qui, bah, il va sa pièce. Maintenant, tout bagaille qui a changé à n'importe quel moment. Mais en deux batailles pour le ministre, il y a une bataille défiant ça, je dis, donc en deux équipes pouvoir. Maintenant, est-ce que c'est l'équipe de Joseph Michel Martelly donc finalement qui a arrivé, conduit Rennes pouvoir pour reste mandat 5 ans? Est-ce que Jovenel Moïse pour qu'elle tête à Michel Martelly pour sous base égale pour dire c'est le président? Non, il va gagner. Non, moi, ça, il va gagner. Et vous pensez pas gagner? Non, non, moi, ça. Où pensez ça? Louko, ouais, non, moi, ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça pour nous faire politique, non, moi, ça. Vous pensez ça? Non, non, moi, ça, son mot. Il est très mal roulé. Ou flexible, ou flexible. Ouais. Ou chita à moun. C'est, moi, c'est ça lié. Dialogue. C'est dialogue ou pas qu'à faire. C'est ça, je veux dire. Parce que quand c'est eu de ZAM président Jovenel, t'es gagné un mail avant. Dans cette situation, ça n'a pas gagné l'encore dans elle. C'est lui pour qu'on commence pour jouer bien. Même genre, le président. C'est tactique. Connaissez ce tactique. Tout dans lâché là. Oui. Tout dans le président Jovenel lâché. Oui. Et si le président Martelly t'a pensé pour le ramasser Chaudiac, tout manger, je ne vais pas mentir. Là, le président Jovenel dans une mauvaise situation. Mais écoutez, mais je dis à tout. Oui. Jovenel Moïse bouffe que le pas gagné. Ça fait un an et demi, monsieur. Yes. Ça fait un an et demi jusqu'à présent, Jovenel Moïse. Pourquoi garder ou non? Vous avez dit ça, c'est ça, on peut mettre la doute. Lévin renforce le président Martelly. Oh, oui, monsieur. Il renforce le président Martelly maintenant. Président Martelly, tout, faut déjà jouer à l'intelligence, puis qu'on comment la braler. Ok, yeah. Nous avons dit que c'est une question de pouvoir. Pas, mais nous te fait analyser ça déjà dans l'émission Matin Débat. Ok, l'autre information, ça m'a oui, avant arriver là, et député, maintenant, tout dit un bail sérieux là. Ça a été arrivé en 1996. Face à Jean-Bert Aristide, qui te vle, même Jean-Bert et président Martelly, qui met tout chaud à tout manger. Correct. Et, mais où est le résultat? Ah oui, lui met le président Préval dans une mauvaise situation, et président Préval, jusqu'à ses soeurs Préval, tu vas prendre balle, manger la balle, ou bien, manger moi qui est mort, madame Calvin. Et,
Zach Sassem dans la nationalité sorti. Correct. Et on va jamais pardonner Jean-Pierre Aristide ça. OK, donc ça veut dire que jodi à là Jean-président Martelly t'a voulu pour ta entrer sous bagaille, ba yo mandé plus lucidité, plus stratégie. Est-ce que je venais pour le balil tout? Non, je vais le président Bayon Balba. On seul balil. On a analyse n'a fait là. Oui. Go institution nous d'accord qui affaibli dans okay. Moment parce que dans premier tour là il était joué un rôle extrêmement important. Faut qu'on nous fasse attention dans toute cette affaire là pour institution ça apparaît tourner en force et institution ça grève parlement. Le parlement. Ah. Bon, nous parlons dans le parlement peut-être. Non, non, non. OK. Parlement fait bac parce que il reconnaît Joe Diaz. Il fait bac. Il fait bac oui, mais un seul bagaille. Son seul bagaille. S'il va faire bac, l'a suivre. S'il va faire bac, m'a bonti. S'il va faire bac, il échoue. Moi je dis hein. Garibaldo te dit l'autre jour comme président de la Chambre des députés. Est-ce qu'on est que député aujourd'hui là obligé de partir en vacances le plus tôt que prévu? Parce que la menace, madame, monsieur, la bombe, ah, non. La bombe, ah, mon frère. Son seul bagage me dit, moi, son seul bagage me dit, si parlementaire, il compte ça à fait, l'on faiblesse, c'est bac ou fait, l'on fait bac. Où est la présidence avec l'ancien et le nouveau? Attention, moi, d'où y'a qu'à renforcer. C'est Green Shock qui est là. Ok, information pour nous. Dans la semaine, ça, dans le matin, je me dis que. Gagné. Y'a une bataille là sous trois phases. Et le secteur privé, il est très impliqué dans la bataille ça. Nous sommes en train de faire analyse ça déjà. Nous devons sur question contrat. Nous sommes quatre contrats qui évalués à 4,8 milliards de dollars américains. Nous sommes en train de faire information ça déjà. De contrats par les. Affaires et frontières et courants et, ah, et okay. Port, on a avec l'aéroport. Ok. Eh bien, son bataille à trois phases, c'est ça, c'est ça. Première phase, c'est d'abord retirer Jacques Guy Lafontaine. Retirer Green dans sa dernière Green dans le dégain de bouche là. Dans bouche Jovenel Moïse, retirer Jacques Guy Lafontaine. Ok. Ça, son bataille que vous gagnez avec un investissement de 6 millions de dollars dans la rue, le 6, 7 et 8 juillet 2018. Deuxième phase là, madame, monsieur. Oh oui, 6 millions de dollars, mon frère. Ah, c'est gros, c'est gros là, c'est gros bagaille, mon frère. Ah, ça a dit crasé brisé, tout bas, ça a dit la baisse. Gros bagaille, mon frère. Bien entendu, qui vient de la revendication populaire là, qui était juste. Oui, oui. Qui devient de la avec un ras-le-bol. Ok? Et puis, qui bat le résultat, quoi, qui te bat là, donc le 6 et que le peuple n'a pas quitté la RIA. 8 juillet 2018. Samedi à 4h. Samedi à 4h. Et madame, monsieur, et dans ma télé, je vais faire une confidence. C'est l'ambassade américaine qui a appelé. C'est Martin Débat qui a parlé matin. C'est l'ambassade américaine qui a appelé le directeur général de la police samedi dans la soirée. Comprenez bien? Et notez samedi là. C'est l'ambassade américaine qui a appelé le directeur général de la police samedi soir pour lui dire que enough is enough. J'espère que nous notons l'information. Deuxième phase de bataille, là, madame, monsieur. C'est le limogeage du chef cabinet du président de la République ou son allo. Dans le moment où on a parlé là, Wilson Lalo en difficulté dans le palais national. Alors, Wilson Lalo, lui-même, Sim Wilson Lalo, tellement bien bagay, il a reproché moi, nous t'a préféré Fontibac. Jouan m'a demandé, on s'est dit de t'en capé, m'a dit capé Fontibac. Nous, on a vu notre stratégie politique, des fois qu'a coulé. Et sous pas coulé, bateau a coulé avant. Parce que, ouais, bien matin, moi, m'a suivi politique comme politique faite. Wilson, c'est bon moun président. Wilson a servi président tout bon vrai. Mais dans le moment où on parle à voilà là, Wilson très mal vu. Actuellement là, Wilson Lalo, le chef du cabinet du président de le président est très embarrassé. Est en difficulté et le président est très embarrassé avec Wilson Lalo. Claire. Madame, monsieur, écoutez, nous songez, ça c'est nous disons la matinée, bah oui. Gardez pour voir si vous cabinet ou pas changer Wilson Lalo comme chef de cabinet.
Bien que dans la question parler national. Président bon lavage pour le faire dans le cabinet là. Ah non, mais mon frère. Ah non, président bon gros lavage pour le faire dans le cabinet. Hein? Ah, c'est deux semaines. Un mec qui en a parlé avec pas briglant sérieux, qui a baillé président tripotaille au lieu de conseil, président pas le voyer aller. Deuxième étape là. La troisième étape, c'est le départ du président Jovenel Moïse. Ah, bah, c'est sur le monde. La troisième étape. Et ça fait une dédiée le matin débat. Le prochain premier ministre d'Haïti sera probablement le prochain président provisoire de ce pays. Notez bien. Mettez noter si vous voulez. Regardez pour où est ça qui va passer là. Maintenant, qui choix président Jovenel Moïse pour le faire? Est-ce qu'elle pourrait revenir dans la même dynamique de Zami Taï? Ça c'est ça, mais m'en mettez le nez, ça l'épifie de la même, m'en mettez le, ou bien est-ce qu'elle va l'ouvrir bral pour le chita, ou bien accepter que c'est yon nom qui pas qui ne sait pas partager même vision avec lui, qu'elle va le mettre pour le ministre pays. L'avenir dira le reste.